L'œuvre d'or qui est brandi par le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobenan Kwasi Adjoumani. Ce livre est la symbolique de 20 ans d'histoire entre le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole et le monde agricole ivoirien. Présenté pour la célébration des 20 ans du FIRCA, l'occasion a permis de réfléchir sur le parcours de l'institution et son impact sur l'agriculture ivoirienne, d'où le thème FIRCA, quel positionnement pour une contribution efficace à la transformation structurelle durable de l'économie agricole ivoirienne après 20 ans d'existence. Le FIRCA ambitionne de se positionner comme le leader du financement durable d'une agriculture innovante, compétitive et résiliente. À cet effet, son champ d'action s'étend désormais à la lutte contre le changement climatique, au développement inclusif et à l'inclusion financière des acteurs agricoles. Placé sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, celui-ci a qualifié le FIRCA de modèle dans l'accompagnement des acteurs du secteur agricole, soulignant son rôle majeur dans la recherche appliquée, la formation, le transfert de technologies et l'amélioration de la productivité des agriculteurs. La cérémonie de ce jour me donne l'occasion de réaffirmer l'objectif premier du gouvernement, qui est de relancer l'agriculture par le retour à l'investissement, notamment par le secteur privé et par des réformes en vue d'améliorer la gouvernance et surtout d'accélérer la transformation structurelle de notre économie par l'industrialisation. Créé en 2003, le FIRCA s'est érigé en Côte d'Ivoire en tant que principal instrument de financement de la filière du progrès au service des filières agricoles, en soutenant plus de 900 projets dans 25 filières agricoles diverses.